les deux maladies existent chez nous, la rubéole comme la rougeole. Très souvent, cliniquement, on confond les deux maladies parce que les deux maladies présentent les mêmes signes. Les signes sont identiques. La preuve en est que quand nous prélevons, nous faisons les prélèvements qu'on envoie à qui de droit, c'est-à-dire au laboratoire. Les réponses qui viennent, nous, on pense à la rougeole, mais la réponse qui revient, c'est la rubéole. Sur 100 échantillons, il y a peut-être 50 qui sont rubéole. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que, étant donné que ces deux maladies se présentent cliniquement presque de la même façon, alors il est souhaitable que les enfants soient protégés de ces deux maladies. C'est pourquoi vous avez vu que on va introduire un nouveau vaccin qu'on appelle RR, qui regroupe les deux maladies, rubéole et rougeole. Donc on va retirer le vaccin VAR. Comme ça se passe dans les centres de santé, nous savons que ces enfants sont connus, les cibles sont connues. C'est-à-dire que chaque aire de santé connaît sa population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera très facile de vacciner tous ces enfants en 5 jours. Quand vous voyez que l'enfant fait une fièvre et qu'il présente une éruption cutanée maculopapuleuse, c'est-à-dire qu'avec des boutons sur le corps, hein, alors il faut aller voir le centre de santé le plus proche de votre localité. Il ne faut pas aller voir, surtout pas les charlatans, parce que ça peut aggraver la situation, peut-être juste entraîner la mort. Nous avons vu des enfants comme ça qui sont morts lors de l'épidémie de rougeole. Donc c'est pourquoi nous disons que quand un enfant présente une fièvre avec une éruption cutanée, c'est mieux d'aller au centre de santé.